Salut toi! Plus que trois dodos. Ouais. On est sur les nerfs là, vous voyez? Sandrine, elle est toute heureuse, je suis tout heureux. On essaie de tout faire pour que les retrouvailles soient au top, tu vois? Comme si qu'on se redraguait, c'est pour genre première rencontre après s'être dragué pendant 9 mois sur Internet, tu vois? Ouais, on fait tout ça bien. Voilà, des gros débroussaillages, tu vois. Ouais. C'est débroussaillage du printemps, mais en fin d'été. Ouais, c'est pareil. On est passé de où ça se cache à où ça va se passer, tu vois. Ouais, bah oui, tu sais, oui, mais tout le monde ne peut pas comprendre. Mais il y a des enfants sur la ligne, donc on fait attention quand même. Mais je peux vous dire qu'il n'y aura pas de distanciation, non. Non. Surtout que je sais qu'elle est confinée depuis le mois de mai. Là, elle a été hier, elle est allée faire son test le matin et l'après-midi, alors que normalement c'est 3 jours, l'après-midi, on lui envoie le résultat comme quoi elle est négative, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le Covid-19. Donc, enfin, ça, c'était normal. Ça fait, comme je vous dis, ça fait depuis le mois de mai qu'elle est confinée à la maison, elle fait du télétravail. Pourtant, comment elle aurait pu attraper le Covid? Elle aurait eu que je me serais posé des questions, non mais dites donc. Donc voilà. Le souci qu'on a. Oui, je sais bien, ça pourrait pas être facile. C'est que là, j'ai regardé l'itinéraire du vol, donc elle ne peut plus faire un vol direct Montréal-Los Angeles, donc elle est obligée de passer par Toronto. Et je regarde l'itinéraire, elle a 1h19 minutes à Toronto, en sachant qu'elle a 3 valises à enregistrer sur le vol pour aller vers Los Angeles. Et qu'elle doit passer les douanes américaines, puisque comme elle part de Montréal à Toronto, elle est toujours au Canada, elle doit passer les douanes américaines à Toronto. 1h19, c'est beaucoup trop serré, quoi. Parce que ça veut dire qu'on va stresser jusqu'à la dernière seconde. Donc là, je viens d'essayer d'avoir l'agence de voyage, envoyer un courriel pour dire qu'il faut absolument la faire partir plus tôt de Montréal. Parce que si l'avion de Montréal, pour une raison X ou Y, a juste 20 minutes de retard et c'est fini, elle manque le vol de Toronto vers Los Angeles, du coup elle manque le vol de Los Angeles vers Tahiti, et là je sais pas qu'est-ce que je deviens, je sais pas. On va me ramasser avec une petite cuillère, et donc voilà. C'est juste pour vous dire qu'on est hyper excités, on n'a jamais été aussi fou amoureux que là, tu vois, c'est ça le bon côté de la chose. Voilà, il faut que ça soit jusqu'au bout. On va stresser jusqu'à la dernière minute. Ah là là. Alors heureusement que toi t'es là. Toi t'es là. Tu m'écris plein de messages, tu m'encourages. Et ça me fait super plaisir. C'est vraiment adorable. Bon, lui, il attend quoi? Il attend quoi là? Il y a des gens le matin, tu sais, on dirait qu'ils n'ont pas d'heure pour commencer le travail. Ouais. Ça, c'était une bisou love. Bon. Donc voilà. On est donc ici jeudi matin. Trois dodos et Sandrine est là. Aujourd'hui, je vais recevoir Kinvé. Kinvé, je ne sais pas si vous connaissez. Très connu pourtant en France. Hein. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, je veux trop qu'elle m'aime, mademoiselle Sandrine. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle le veut bien. Yes! Donc voilà, je reçois Kinvé. Vous allez pouvoir certainement avoir des images ou quelque chose sur Facebook. Je vais voir s'il peut faire un petit coucou à Multitaskman. Hein, histoire de faire coucou à toutes ces fans qui regardent la chaîne. Donc je te fais un gros bisou magique. À très bientôt.